Du coup, de passer la parole directement à Bastien Guéry, référent logiciel libre Etalab, pour une petite présentation de la licence ouverte 2.0, si je ne m'abuse, et le code des relations entre le public et l'administration. Merci beaucoup à tous, merci Xavier et merci Christelle. Donc je travaille à Etalab depuis 2 ans maintenant. Mon sujet, c'est plutôt les logiciels libres, mais je suis ravi de cette collaboration et Etalab est ravi de co-organiser ce séminaire. On avait par le passé, il y a 2 ans ou 2 ans et demi, organiser un petit atelier déjà autour de Wikidata et puis des données publiques publiées en open data sur le portail Datagouv. Donc c'était la première petite graine de ce qui, j'espère, va continuer à pousser la convergence, comme a dit Christelle. De mon côté, je ne serai pas très long parce que je voudrais juste simplifier les choses. Alors c'est ça, ce petit carré noir qui nous embête éventuellement, que je vais essayer de retirer. Voilà. Je vais vous parler de la licence ouverte. Auparavant, quelques rappels historiques. C'est toujours intéressant de savoir d'où l'on vient et de se rendre compte un peu que ça fait vraiment plusieurs décennies qu'il y a ces débats sur la question de l'accès aux documents administratifs et la question de leur réutilisation. Vous connaissez peut-être le Freedom of Information Act, qui est un peu un acte légal inaugural sur ce sujet de l'accès des citoyens aux informations que l'État fédéral américain possède. Et quelques années plus tard, on a cette affaire que vous connaissez sûrement aussi, qui est l'affaire Safari, où le ministère de l'Intérieur propose de construire un énorme fichier contenant des données personnelles. Et cette affaire et les problèmes qui vont avec est révélée par le Monde en 1974. S'ensuit un grand débat de société avec, 4 ans plus tard, trois réalisations qui, pour moi, sont intéressantes à mettre en regard. La première, c'est ce rapport Noramac sur la télématique, qui est un rapport dont je vous recommande chaudement la lecture, qui aura vraiment un impact très fort sur toute la classe politicienne et puis tous les intellectuels qui s'intéressent un peu à cette chose émergente qu'est l'informatique. Un mois plus tard, la loi informatique et liberté et la création de la CNIL, qui est vraiment une réaction à Safari et qui est un contrepoids qui insiste sur l'importance de la protection des données personnelles des citoyens. Et quelques mois plus tard encore, la loi qu'on appelle la loi CADA, pour la Commission d'accès aux documents administratifs, qui est la loi qui encadre la façon dont les citoyens peuvent demander des comptes à l'administration et notamment demander des documents administratifs. On fast-forward très loin dans le temps, on arrive en 2011 à la création d'Etalab, qui est une création symbolique mais importante, qui va justement orchestrer la publication de ces documents administratifs, dont la plupart sont maintenant numérisés. Donc, documents administratifs, c'est un terme large qui recoupe à la fois des PDF scannés dans les mairies sur l'état civil, jusqu'à des bases de données scalaire, tabulaire, et jusqu'à y compris les codes sources qui sont développés par l'administration et qui est le sujet dont je m'occupe particulièrement depuis 2 ans. Donc 2011, en même temps que la création d'Etalab, c'est la publication de la licence ouverte 1.0. C'est toujours compliqué de proposer une nouvelle licence parce que dans le domaine des logiciels libres, on sait très bien qu'on a un problème avec la prolifération des licences. Et qui dit nouvelle licence donne le soupçon d'une licence qui, au lieu de simplifier le contexte légal, va le complexifier avec de nouvelles permissions. Cette licence-là, elle a vraiment été proposée dans un but pédagogique et dans un but de simplifier la visibilité des conditions dans lesquelles les documents publiés sur datagouv.fr peuvent être réutilisés. C'est un peu le même principe, si vous voulez, que les licences Creative Commons, qui ont permis de vraiment démocratiser l'idée que c'était aux auteurs eux-mêmes de décider de quelle façon ils voulaient publier, quels droits ils pouvaient accorder contractuellement aux gens qui réutilisent leur contenu. Donc cette licence ouverte, elle ne fait que répéter le cadre juridique des documents administratifs,
je reviendrai là-dessus, et de donner de la visibilité à cette possibilité par tout le monde de réutiliser les documents administratifs, donc y compris les documents publiés par le ministère de la Culture sous licence ouverte. Le 2015, on a cette consolidation de cet ensemble de lois qui régissent les relations entre le public et l'administration, et c'est un peu la matrice pour de futurs décrets qui vont encadrer les choses. 2016, une réaffirmation forte de cet accès des citoyens aux documents de l'administration, avec le principe, pour la première fois, de l'open data par défaut, où toute l'administration a une obligation légale de rendre communicables les données administratives qu'elle produit. Et 2017, une révision de la licence ouverte, qui est connue dans le registre des licences comme la licence Etalab 2.0. Les licences de réutilisation qui sont donc fixées par décret, ça c'est la page de référence pour toutes les administrations qui veulent publier. Il y a celles qui concernent les codes sources en dessous de la ligne de flottaison, et donc je ne rentrerai pas dans ce détail, ça ne me concerne pas aujourd'hui. Et il y a les autres licences, on a deux grandes licences. La licence ouverte 2.0 qui est l'équivalent d'une licence permissive, donnant à tous le droit, un droit très large de réutilisation, y compris commercial, et la licence avec obligation de partage à l'identique, qui est la licence ODBL que le projet OpenStreetMap, par exemple, a permis de mettre en place et de faire connaître au plus grand nombre. La doctrine est vraiment que ce sont les licences permissives, et en l'occurrence la licence ouverte, qui doivent être choisies par défaut. Et les licences plus restrictives, qui imposent des conditions de réciprocité, par exemple, dans la réutilisation, doivent être justifiées s'il y a un risque pour l'intérêt général. On n'a pas de jurisprudence de licence ODBL ou de licence restrictive qui ait été utilisée et qui a été contestée par un acteur de la société civile disant « l'administration, vous n'avez pas vraiment justifié de ce risque pour l'intérêt général, pas à ma connaissance en tout cas ». Mais la doctrine est vraiment dans l'utilisation de licences permissives. Très concrètement, quand vous publiez, vous êtes le ministère de l'Intérieur, ou en l'occurrence Santé publique France, vous publiez un jeu de données sur data.gouv.fr, et bien vous êtes invité à préciser la licence dans laquelle ce jeu de données est publié, et vous voyez ici licence ouverte 2.0 pour les données de vaccination COVID-19. La licence ouverte, je l'ai déjà dit, mais je le redis, elle propose un droit de réutilisation le plus large possible et elle ne fait en cela que répéter le CRPA. Donc, quand je disais que c'était un outil pédagogique et de mise en visibilité, c'est ça. C'est-à-dire que même un jeu de données publiques qui ne précise pas la licence reste légalement encadré par le code des relations entre le public et l'administration, et une personne qui réutiliserait commercialement des données qui sont publiées par l'administration, mais où l'administration aurait oublié de mettre la licence ouverte 2.0, cette personne aurait tout à fait le droit. Mais la licence ouverte donne de la visibilité et clarifie les choses. Ce droit est très large, il permet notamment de commercialiser les données réutilisées. Donc, si vous voulez, c'est l'équivalent d'une licence MIT ou d'une licence Apache dans le domaine logiciel. Évidemment, elle doit être compatible avec le respect du droit d'auteur. Donc, je ne rentrerai pas dans cette présentation sur toutes les difficultés qu'on a autour du droit d'auteur des agents publics. Le principe par défaut, c'est que les droits patrimoniaux de ces agents publics appartiennent à l'État, parce qu'ils travaillent au service du public, mais qu'il y a quand même la question systématique du respect des droits moraux, et dans certaines circonstances, les ministères producteurs doivent demander l'autorisation aux auteurs, quand ils sont enseignants-chercheurs, par exemple, pour donner la liberté de réutilisation. Donc ça, c'est un point de difficulté qu'on a assez régulièrement, et il faut le redire, la licence ouverte se fait dans le respect du droit d'auteur. Les deux seules obligations sont l'obligation de mentionner la source, c'est-à-dire l'établissement producteur, et la date de mise à jour des données. Ce qui signifie, et ces obligations ne portent que sur le primo réutilisateur. Ça, c'est un point qu'on avait clarifié en atelier à Etalab avec Thomas Menant et Perica Susevich, qui sont les deux juristes de la DINUM à l'époque d'INSIC. Ces obligations portent sur le primo réutilisateur.
Ce qui signifie concrètement que toutes les données publiées sous licence ouverte 2.0 sur data.gouv.fr, sur data.culture.gouv.fr sont publiables sur Wikidata. Wikidata se trouvant en position de primo réutilisateur et devant indiquer donc l'établissement producteur et la date de mise à jour des données, et sont publiables sous la licence CC0. Permettant ainsi à tout le monde, trouvant ces données sur Wikidata, de les réutiliser dans les conditions de la licence CC0. Voilà, j'en ai fini. Je ne rentre pas plus dans le détail, mais je suis prêt à répondre à des questions et tout Etalab est toujours disponible. Je vous donne ici quelques liens utiles. Le lien de la licence elle-même que je vous invite à lire, elle fait 2,5 pages, elle est assez simple et assez claire. Le lien avec la liste des licences, donc ça c'est dès que vous avez un établissement impliqué dans une mission de service public, vous pouvez lui donner cette liste de licences pour lui indiquer que c'est bien la licence ouverte qu'il faut utiliser. Un guide, des guides juridiques qui encadrent les choses et qui nous servent, nous, à dialoguer avec l'administration. Un guide un peu plus interactif ici qui permet encore une fois de se réapproprier le cadre juridique, de rappeler les principes d'open data par défaut. Et puis, le point de contact avec Etalab pour toutes les questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bastien. Un grand merci pour cette présentation et pour cette introduction justement à la licence. Est-ce qu'il y a des questions pour cette présentation? Je vois, quelle est la différence oui, Franck, quelle est la différence de cette licence avec les licences Creative Commons pour un établissement culturel? Alors, d'abord, les licences Creative Commons, il y en a beaucoup. Il y a toutes les déclinaisons avec les possibilités d'ajouter des clauses non commerciales, des clauses de non-dérivation. Donc, la licence ouverte serait l'équivalent de la CC BY, c'est-à-dire de la licence Creative Commons, ne demandant que d'attribuer l'œuvre à son auteur. La différence avec les autres licences, avec la licence interdisant la réutilisation commerciale, c'est que la licence ouverte autorise la réutilisation commerciale. La différence avec la clause de non-dérivation, c'est que la licence ouverte autorise complètement les œuvres dérivées. Donc, on est vraiment sur le niveau CC BY. Voilà. Merci. Moi, ça me fait penser à une autre question. Simplement, il y a eu beaucoup de discussions par le passé dessus et peut-être l'occasion aussi de rééclaircir sur ce point. Est-ce que la licence ouverte est compatible tout simplement avec le projet Wikidata? Oui. Donc, c'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. La question n'est pas de publier dans Wikidata sous licence ouverte. Ça, c'est impossible. Le projet Wikidata demande la licence Creative Commons 0. Mais encore une fois, si vous êtes un citoyen, vous trouvez un jeu de données qui est publié sous licence ouverte, vous pouvez publier ces données sur Wikidata en citant la source, l'établissement producteur et la dernière date de mise à jour. L'obligation porte simplement sur l'existence de ces champs dans la fiche Wikidata que vous créez, mais vous pouvez la disponibilité de ces données-là sous licence CC0 ne pose pas de problème. Merci. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On a jusqu'à 9h45 pour y répondre. Y a-t-il des différences de fond, une question d'Hélène Sarzins, entre la licence ouverte 1.0 et 2.0, ou s'agit-il plus de la forme? C'est une différence de forme et de clarification. D'accord. Et je ne saurais pas exactement vous dire quelles sont les différences moi-même. Je n'étais pas étalable à l'époque. Ce sont des différences de subtilité, un peu comme les différentes versions de Creative Commons qui peuvent rajouter certaines conditions très, très, très précises, peut-être? Je pense, oui. Mais ça, je ne saurais pas dire. Merci. Alors, une question de Benoît. Du coup, en pratique, sur Wikidata, pour les versements... Ah non, ce n'est pas une question, c'est une information. Pour les versements massifs, la mention de la source et la date sont requises, avec un petit lien que vous pouvez voir sur le chat. Pour rebondir à la question de Hélène Sarrazin, sur la différence entre 1 et 2.0. Est-ce qu'il y a une 3.0 qui serait prévue pour la licence ouverte? Non, non, pas du tout. Encore une fois, Etalab a bien entendu que c'est toujours difficile de proposer une nouvelle licence. Donc, celle-là est bien installée. Et aujourd'hui, on n'a pas de retour qui justifierait de travailler sur une licence ouverte 3.0. Alors, y a-t-il d'autres questions?
Oui, il y en a une sur la compatibilité au DBL pour l'upload sur Wikidata. Alors, en pratique, on a quand même des établissements, et c'est indiqué sur le lien que je vais vous mettre directement dans le chat, on a des établissements producteurs de données qui ont demandé de pouvoir écrire leur propre licence et d'avoir une exception. Vous trouvez ces licences qu'on appelle les licences homologuées en bas de la page que je vous ai désignée. Et vous avez, par exemple, la licence Creative Commons by SA qui est homologuée pour le CHOM. Donc, le CHOM a le droit de publier sous licence Creative Commons by SA. Je n'ai pas connaissance d'homologation, je pense qu'il n'y en a pas de la licence ODBL avec une administration qui demanderait de pouvoir publier exclusivement sous licence ODBL. Ensuite, effectivement, si on cherche sur data.google.fr et qu'on trouve des jeux de données sous licence ODBL, eh bien, ces jeux-là ne sont pas publiables sous Wikidata puisqu'ils sont sous une licence trop restrictive. C'est une bonne question de Hélène sur si on a publié des données sous licence ouverte 1.0. Ouais. Ouais. Je ne pense pas. Encore une fois, c'est un outil pédagogique, donc on pourrait presque ne pas mettre la licence. Donc, ce n'est pas conseillé. Hein. On conseille à tout le monde d'utiliser la licence pour des questions de visibilité. Et je ne pense pas qu'il ait été abordé, ça je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il ait été abordé ce sujet du passage de la 1.0 à la 2.0, et ça rejoint mon ignorance sur les différences entre les deux. Question de Mobilet, de quelle licence est adaptée pour un logiciel open source? Alors, du côté des logiciels libres, la doctrine est la même, c'est-à-dire que par défaut, les établissements publics doivent utiliser une licence permissive. Donc, les licences permissives, elles sont sur le lien que je vous ai envoyé, licence MIT, Apache et d'autres. Et s'il y a un risque pour l'intérêt général avéré, les établissements peuvent utiliser une licence plus restrictive comme la licence GPL, AGPL. En pratique, ce qui se passe souvent, c'est qu'un projet de logiciel libre, il prend place dans un écosystème. Vous produisez un package JavaScript, ce sera dans l'écosystème NPM, et cet écosystème, il utilise massivement l'une des licences et vous essayez de vous caler sur cette licence. Merci Bastien. Avez-vous un inventaire de tous les sites culturels utilisant la 2.0? Je dirais oui, datagouv.fr, c'est-à-dire que ça se présente pas comme un inventaire ni comme une liste qu'on pourrait réutiliser telle quelle. Il y a peut-être un peu de travail, mais je pense qu'en utilisant soit l'interface web, hein, soit l'API de datagouv, on peut voir toutes les données taguées comme données culturelles et essayer de retrouver celles qui sont sous cette licence ouverte. J'ai une question, Bastien. Je voudrais savoir, dans la mesure où la licence ouverte équivaut à la CC BY, pourquoi ne pas avoir utilisé la CC BY Les licences, c'est une excellente question. J'enlève ma casquette d'employé d'EtaLab. À mon avis, on devrait pouvoir évoluer et faire re-rentrer les licences Creative Commons BY et BY SA comme des licences standards réutilisables par l'administration, notamment parce que tout le secteur de la recherche est déjà calé sur ces pratiques. C'est un secteur international. Quand un projet de recherche financé par des fonds français où des fonds européens existent, il va publier des données de recherche, donc des entrepôts internationaux pour lesquels les pratiques de licence sont les Creative Commons. Donc là, aujourd'hui, on a une situation un peu en porte-à-faux où pour beaucoup de projets de recherche ne voient pas l'intérêt de se caler sur la licence ouverte. Et je les comprends et j'espère qu'on pourra évoluer
pour de nouveau faire rentrer ces deux licences Creative Commons. Alors, pas toutes les licences Creative Commons. Le problème de Creative Commons, c'est que parfois des gens disent la Creative Commons et on peut donner l'impression de donner un feu vert sur toutes les licences Creative Commons, ce qui, à mon avis, serait préjudiciable parce qu'on réintroduirait la possibilité pour tout le monde de mettre des restrictions. Donc, bonne question. Mon avis personnel est que ce serait mieux de se caler sur les pratiques actuelles pour que tout le monde rentre dans le cadre juridique. De la même façon que pour le logiciel, on ne va pas utiliser la licence ouverte. Techniquement, c'est faisable. Techniquement, un établissement public producteur peut ne pas mettre de licence, son code est réutilisable, mais quelqu'un qui arrive sur GitLab ou sur GitHub voit pas de licence, il va pas s'amuser à chercher si c'est le ministère de la Culture qui publie pour s'assurer qu'il a le droit de réutiliser. Devant une cour, ça passerait, mais en réalité, ça passe pas. Donc, la licence ouverte, je pense qu'elle est adaptée à tous les documents administratifs qui ne sont pas du logiciel, qui sont de la documentation, qui sont des données, et que pour certaines données de recherche et des données culturelles en particulier, licence Creative Commons serait plus proche des pratiques. Merci. Alors, une question de Benjamin Richard. Il y a des obstacles réglementaires ou juridiques à ce qu'une administration utilise directement la licence CC BY ? Oui, l'obstacle est la loi. Donc, la loi, c'est vraiment ce décret qu'on appelle le décret des licences, qui est le lien que je vous ai donné et qui donne la liste des licences que les établissements ont le droit d'utiliser. Avant ce décret, il y avait au ministère de la Culture notamment, il y avait eu un effort d'appropriation des Creative Commons, de cet univers de licences. Les Creative Commons existaient depuis 2001, mais au début des années 2010, le ministère connaissait très bien ces licences et commençait à les utiliser jusqu'à ce que le décret impose légalement de ne plus les utiliser. Donc c'est pour ça que, de mon point de vue personnel, il y a eu un peu de confusion dans les communications. Pour les mairies, alors la loi sur l'ouverture en open data par défaut concerne toutes les collectivités de plus de 3500 habitants et de plus de 50 agents publics. Donc, il y a quelques collectivités qui sont en dessous de ça. Ce qui est important de noter aussi, c'est que est considéré comme c'est la notion de mission de service public qui est important, plutôt que le statut institutionnel de l'établissement producteur. Donc, si vous êtes une association avec une délégation de gestion, par exemple, a investi dans une mission de service public financée par des fonds publics, vous relevez aussi de cette obligation d'open data par défaut. Ça peut être important dans le domaine culturel. Et alors, là, derrière le fait de choisir une licence permissive plutôt qu'une licence à réciprocité, c'est un débat, un grand débat, on va dire, idéologique, qui a eu lieu à Etalab, qui a eu lieu en discussion avec la société civile. Le sommet de ce débat, je pense que c'était l'année 2015, avec la préparation de la loi pour une république numérique, et puis le sommet de l'Open Government Partnership, qui a eu lieu en décembre 2016 avec Etalab et l'écosystème. Je pense que le principe, c'est que les licences permissives permettent le plus d'externalités positives non prévisibles. Et je pense que c'est aligné aussi avec le choix de grands communs numériques comme Wikidata pour dire, en fait, limitons le moins possible la réutilisation. Et je suis assez d'accord avec ça, je pense que les licences, y compris dans le logiciel, il y a parfois un réflexe d'utiliser des licences à réciprocité pour protéger la communauté. En réalité, je pense qu'il n'y a pas de connexion directe entre les licences permissives qui nous déposséderaient du code source, parce que des entreprises privées peuvent faire des améliorations sans reverser les améliorations, et les licences à réciprocité qui favoriseraient la construction de communautés. Ça, je ne l'observe pas, en tout cas. Est-ce que la réponse à une saisie CADA peut être publiée par un tiers, par exemple sous licence ouverte ? Prenons l'exemple de données d'inventaire d'un musée. Une fois communiquée, la personne ayant saisi peut publier ? Oui.
En gros, la licence ouverte, évidemment, s'adresse plutôt aux administrations, mais c'est une licence, juridiquement, n'importe qui peut l'utiliser. Elle n'est pas réservée aux administrations. Et si vous avez, si vous recevez une réponse de l'administration dans le cadre d'une saisie CADA, cette réponse-là est publiable. Il y a bien ce... Il faut voir ce qu'on appelle l'open data par défaut, c'est de passer d'un régime de communicabilité des documents administratifs avec sollicitation du citoyen. Donc pour donner un exemple caricatural, c'est quelqu'un qui va à la mairie pour demander des données sur sa généalogie. Donc ça, le document est communicable, mais ça demande une initiative citoyenne. L'open data par défaut, c'est que normalement, il n'a plus besoin d'aller frapper à la porte de la mairie et il va trouver lui-même ce document. Donc on fait ce raccourci. Mais en réalité, il y a quand même beaucoup de documents qui sont communiqués directement de l'administration à l'individu. Et quand c'est le cas, l'individu a le droit de republier massivement, évidemment, en faisant attention à ne pas republier d'informations personnelles, puisqu'il y a toujours cet équilibre entre la CADA et la CNIL. Merci beaucoup, Bastien. On va enchaîner sur la prochaine présentation. Je vois qu'il y a encore une question. Si tu veux bien y répondre dans le chat en parallèle, ouais, pas de problème. Comme ça, on ne perd pas trop de temps sur le programme. Merci beaucoup pour vos questions.